battre le Cameroun Burkina Faso. On doit revenir sur ce match. Que vous dites-vous? Oh, on se dit déjà que c'était une occasion exceptionnelle pour nous d'être là. Match d'ouverture de la Coupe d'Afrique et surtout à domicile. C'était un honneur et voilà, on sait que c'était un match difficile. Pour revenir sur le match en lui-même, il était difficile, mais l'essentiel a été fait. On se dit qu'on a fait l'essentiel, c'était les 3 points. Jeudi, le deuxième match contre l'Éthiopie. Comment appréhendez-vous cette rencontre? Déjà, on essaye de corriger le maximum d'erreurs contre le Burkina Faso et de voir ce qui a marché. On essaye de perfectionner aussi de ce côté-là. Et on aborde cette rencontre avec le même état d'esprit. On se dit, voilà, on veut juste gagner, c'est le plus important. Passer la tension liée au match d'ouverture. Pensez-vous que la sélection des Lions Indomptables soit capable de hausser son niveau de jeu? Bien sûr, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et on va faire beaucoup mieux, j'en suis convaincu. D'après vous, quels sont les aspects sur lesquels vous devez travailler le plus pour faire mieux? Honnêtement, il y a tellement d'aspects, que ce soit défensivement ou offensivement, il y en a tellement, voilà, mais c'est le coach qui voit mieux de l'extérieur et c'est sur quel aspect on va le mieux travailler. Alors, au niveau de l'état d'esprit du groupe, comment est-il? Non, l'état d'esprit il est très très bon. Il y a un très bon groupe, une très belle ambiance, tout se passe très bien. Merci, Samir. Merci à vous.